Hey tout le monde, c'est Sko et bienvenue pour le début d'un nouveau mini play, on va dire. Je sais pas du tout combien de temps dure le jeu, je me suis absolument pas trop spoil. Voilà, je suis hypé, c'est le petit jeu d'Halloween. Je vous le sortirai sans doute pas en un seul épisode. Enfin peut-être, je sais pas. Je sais vraiment pas la durée que ça... Ça se trouve ça va être comme Resident Evil, et ça va être trop long pour que je fasse un seul épisode. Ça se trouve ça va être plus court et je pourrais tout sortir aujourd'hui. Donc je ne sais pas, je verrai au montage, et vous le saurez, si c'est marqué épisode 1, c'est que c'est en plusieurs épisodes. Si c'est pas le cas, bah vous avez tout là. Donc bienvenue pour un épisode de Outlast 2, qui est du coup le jeu d'Halloween, voilà. Je suis très hypé par ce jeu. On m'a pas mal hypé sur le jeu. Donc bah c'est parti sans plus attendre. Alors faut dire que je suis mis en ambiance, je suis dans le noir là, tranquillement. Bon, moi je vais me mettre vraiment dans le full noir. Dans le full noir, voilà, après il est tard aussi. Il est 21h. Prêt à avoir du fun. Bon, quelle difficulté on se met? Normal, non. Peut-être difficile ou cauchemar? Plutôt difficile, je pense. J'ai pas envie non plus de passer ma nuit dessus, quoi. Psychose, non. Ouais, non, on va faire difficile. C'est déjà bien. Quand il y a une scène de violence intense, de carnage, de suspicion sexuelle explicite ou un langage grossier, amusez-vous bien. Amusons-nous bien. Lynn Langerbal est une journaliste d'investigation à la recherche de réponses concernant le meurtre d'une femme enceinte dans des circonstances impossibles dans une région rurale d'Arizona. Vous êtes Blake Langerman, son mari, assistant et caméraman. Enregistrez tout ce que vous voyez. Ni elle ni vous n'êtes des combattants. Pour traverser les horreurs qui vous attendent dans le désert, vos seuls choix sont de courir, vous cacher ou mourir. Dans le désert. Celui qui entend où les mots ne peuvent être prononcés devra vivre jusqu'à la fin des temps et l'ennemi né de votre propre descendance sera le prix de ma vengeance. Knot 3.16. C'est une petite quête de coca qui cache l'icône de sauvegarde. C'est normal qu'on n'ait pas le son des voix. In your sleep. Jessica, I think. Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'ils disent. You know a Jessica? En fait, j'ai envie de faire échappe pour checker si j'ai mis le son des voix. Si je fais échappe, ça passe pas, si. On va tester. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of... Parce qu'on a le son de l'hélicoptère, donc c'est pas le son qui bug. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood. She had to have spent at least a decade downstream from some... Non, mais c'est parce que c'est une femme, on s'en fout de ce qu'elle dit. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Oui, oui. Le petit hachement de tête. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! The fuck? Fuck! Oh, on a des lunettes. Ok. Je suis pas habitué à ça, moi. Je suis déjà sorti de ma zone de confort là. Le fait qu'on ait des lunettes, ça m'a trop perturbé. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Non mais je crois qu'on est censé entendre les voix. C'est juste moi qui bug. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Jane Doe. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she's strangled. J'essaierai de vous... Je pense que je ferai, c'est que vous, je vous mettrai la vraie intro. Et moi, du coup, j'aurai l'intro sans les voix. Mais du coup, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que je parle qu'il n'y avait pas les voix depuis tout à l'heure. Parce que vous, du coup, il y a les voix. Et du coup, je sais pas si on aura d'autres bugs comme ça ou... Le reste du truc. Ok, we're good. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh! Ah, bah ça commence à être un peu long l'intro quand même. Ce réflexe de fou furieux, en vrai. Mayday, 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 1000 feet! 100 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 feet
Outlast. J'ai commencé à faire des blagues pour me rassurer. Mais tranquille. Oh putain, ça a commencé en fait. Alors, la sensibilité, on la baisse. Tout de suite. Attends, 30 secondes. Augmenter le champ de vision. Bon, c'est trop rapide. En fait, genre le son est déjà un peu fort pour moi donc Ok. Il va pas être simple ce jeu. Oh. Putain. Après faut que je me rappelle, Resident Evil c'était dur au début mais au bout d'un moment ça allait, je vais t'habituer. Faut que je parle du principe que ce sera pareil là. Parce que là, pfff... Un CPS incroyable. On se retape. Ok, voir les enregistrements. Mais... Ok. Où est-ce que je me barre? Faut que je saute là? Non, ça me paraît un peu haut quand même. Je vais peut-être descendre là. Ouais. Alors, j'ai pas vu ce qu'il m'a dit. Mais tranquille parce que je suis trop fort. Les éléments importants doivent être enregistrés. Sous le bouton grec, clignot, ça suffit que vous montez vers. Enregistré. Faut être comme sur l'événement jusqu'à ce que le cercle rouge soit rempli. Ok. Ok. J'enregistrais quoi là? Ok. Bah, je suis content d'enregistrer ça, moi. La vision nocturne pendant l'obscurité. Ils veulent que je vois quoi? Je sais pas. Ah si, le chemin, ok. Oh. Est-ce que je me disais, faut que j'enregistre ça. Je vais activer la vision nocturne parce que... Parce que voilà. Je pense que ça draine plus de... Parce que j'aimerais bien... C'est bon, j'enregistrerai là. Le truc c'est que je peux pas être en full vision nocturne si. Comme j'ai dit, je peux pas rester en full full vision nocturne H24. Le truc c'est que le bouton X, je pense que je vais pas beaucoup m'en servir quoi. Oh.
J'entends des bruits chelous qui en proviennent. Oh, attendez, on peut recharger? Ah, ok. Je sais pas si on a pile infinie, mais je pense pas. Supporter ce que nous avons fait, ni être séparé de nos enfants, je m'en espérant que tu me pardonneras et te laisser seul, tu me pardonnes. Les enfants, je sais que nous devons les offrir, mais je suis laissé à l'intérieur, je ne peux plus vivre. Avec la chance d'avoir mes proches, et nous serons réunis une fois de plus, à mon que Dieu ne m'envoie brûler pour toujours à cause de ce péché. En attendant, j'espère que tu trouveras tout le réconfort dont tu as besoin dans la gloire de Papa Knot. À toi pour toujours. Il y avait un mec, hein. Il y en a aussi un là. Non mais je ne suis pas caché là. Bien là, j'ai pas envie de bouger, vous voyez. On peut passer par là, on peut passer par là. Ah. Ok, on peut rentrer et sortir à l'infini. Je pense pas qu'ils puissent passer les fenêtres, les gens.
Ah! Bah oui. C'est un peu la maison tuto ça. Je pense qu'on va courir. Safe, mais l'enfant arrive, tout que l'enfant arrive, ça change. Bon, ok, on va pas tout lire. Hein. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres chemins. Je suppose qu'il va y avoir un event et on va devoir faire demi-tour. Mais j'ai pas envie de faire demi-tour moi là. Ah non, on peut passer par là. Mon Dieu.